Salut Kidou, c'est Odyssey, je vous reprends juste après la fin de l'épisode 7, hein, donc épisode 8 de Dark Souls Remasters. On venait donc de tuer les gargouilles de la cloche, on avait fait sonner la cloche et il nous manque une deuxième cloche. On sait plus où elle est, donc on va aller demander à notre meilleur ami, le cousin de Pat. Si tant est qu'on le trouve, hein. Il est plus là? Non, s'il est là. Salut mon pote. Why, what a surprise. I didn't expect you J'ai to envie de lui make mettre it. une patate, hein. Je Oh, pourrais le faire somebody ressusciter, rang hein. the bell. Wait, was it you? Tu vois le casque que j'ai sur You la never tête? give up, do you? I don't Une know case de how you gargouille do que j'ai it. tué moi-même. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Suicide. Ah, parce que c'était pas du suicide avant? Ah, parce qu'avant, c'était quoi? C'était une petite gifle? C'était un petit taquet. What's wrong? Get a bit of a scare. Non, No j'ai pas une trouille problem. bleue. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Oh. Triste lui. Tu peux me dire où elle est l'autre Well, cloche? I've already. I don't really care. Lui, c'est comme le chevalier bleu de Dark Souls 2, mais en plus Hmm? dépressif. I'm not up for chat. Mais dis-moi où je dois aller, j'ai oublié! I'm not up for chatting. Leave me alone. Le bout de gras, sympa. Super. Bon. Yes. Je peux gagner 9 niveaux avec 10 000. Imaginez ce que j'aurais pu faire avec 30 000. Bon, je pense. Est-ce qu'on augmente notre niveau? Non mais on va bien sûr qu'on va augmenter notre niveau. Non mais si on fait pas ça contre le dernier boss, d'un coup on va se faire tuer, hein. Bien sûr qu'on doit augmenter notre niveau au bout d'un moment. On peut pas faire le show comme ça, hein. Pas possible. J'ai déjà augmenté ma dextérité à 12, ce qui permettra de manier plus d'armes et d'augmenter mon endurance. Ah non, c'est que. Ah oui, j'ai le droit d'augmenter que de 5 niveaux. Oh non, mais là, vu tous les. Non, attendez, on va se faire plaisir quand même, on va se faire plaisir. Donc là, j'ai des 4 niveaux, normalement, je suis censé me mettre plus qu'un niveau. Plus qu'un niveau, normalement. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, plus qu'un niveau. Je fais ça parce que c'est. Si l'endurance augmente le poids et l'énergie, comme j'ai dit, c'est assez craqué, hein. Dans le premier épisode, c'est trop cool de pouvoir augmenter ces deux stats en même temps et qu'il les ait pas divisés en deux. Donc je me mets hop. Ouais, c'est pour moi. Hop. Là, moi je te mets ça, bim. Attendez. Voilà. Un petit plus en vie et ce sera très bien. Et je me garde un petit peu d'argent. Au cas où si on doit acheter des items. Notre personnage est plus fort. C'est fini la run SL1, SL7, maintenant c'est la run SL14. Je pense que ça va, niveau 14, c'est pas de la triche non plus quoi. Je pense on n'arrive toujours pas à tuer le chevalier noir avec ça. Moi par contre ce que je vais utiliser, c'est la grande hache de guerre. Ah 14 il me fallait. 14. Après ça scale plus en dextérité qu'en force, donc c'est peut-être pas si rentable que ça. Bon, ça, faut être niveau 1000 pour pouvoir le manier. La clé mort, par contre. D'accord, il me faut 16. Ok, donc j'ai augmenté mes stats, mais je peux toujours rien faire. Super. On aime beaucoup ce jeu. Robe sainte. Non, mais c'est cool, hein. J'ai pas un meilleur bouclier. Ah si, lui, il est littéralement meilleur. Il est plus léger et il tanque mieux. Enfin, ouais, il est littéralement meilleur ce bouclier. Bah, je vais le prendre même si. Oh, il est moche par contre, il est vraiment laid. Je préférais l'autre, mais c'est pas grave. Bon. Have you been to the Ah bah ruins of old voilà. Londo below? La nouvelle Just head Londo. down the stairs and take the lift. It's certain it was once an undead Une ville de city. morts-vivants. May... Unless the ghosts. Donc les fantômes. Ouais, il y a les. Ah non, c'est la nouvelle Londo. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à lire, hein. Donc, je disais dans le dernier épisode, non, mais la nouvelle Londo. Je disais la nouvelle Ando et pas la nouvelle Londo. C'est Anorlando. C'est Anorlando et la nouvelle Londo. Donc, ces lieux sont bien liés entre eux. Sauf qu'on a appris dans l'inventaire, en prenant la hache de queue de gargouille. Pourquoi il se met à gueule dans l'eau? Ça fait super peur.
Avant que ce soit Pigeon Man. Ah, c'est Pigeon Man! Non, il était mon pote Pigeon Man. Ah, je crois. Ah, il y a son nid! Est-ce que c'est encore People Pie? Sweet, 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 je sais pas quoi là. L'espèce de corbeau invisible où il faut lui donner du matériel. Donc, ce serait les origines du corbeau invisible qui échange du matos contre d'autres matos? Très intéressant, mais je sais pas ce qu'on doit faire ici. Sûrement qu'on le découvrira plus tard. Bref, la hache de gargouille, il nous disait, c'est une hache de gargouille qu'on peut trouver dans le village des morts-vivants ou à Anor Londo. C'est bien ça, c'est bien Anor Londo qui disait. Ou alors la nouvelle Ando. Anor Londo, la nouvelle Ando. J'en peux plus moi de ces noms de. Anor Londo, ok, donc Anor Londo et la nouvelle Ando. Donc Anor Londo et l'ancienne Ando. Alors pourquoi l'ancienne Ando est dans Dark Souls 3 et la nouvelle Ando est dans Dark Souls 1? Tout ceci ne fait guère de sens. Enfin, je pense que si, mais moi je trouve pas le sens en tout cas. On se prend trop la tête. On se prend trop la tête. Bon, objectif, bah faire la suite du jeu quoi. Le souci c'est qu'on est dans un Souls, donc il y aura bien. On va passer plusieurs heures à se demander qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, qu'est-ce qu'on doit faire, où on va aller. Est-ce que ces moments seront coupés? Spoiler, non. Ils ne seront pas coupés. C'est un let's play nature. Bon, on avait vu que. Bon, là, on a trouvé notre petite âme très charmante, très sympa, avec une sculpture d'une femme. On ne sait pas qui c'est. Est-ce que ce sont des personnages connus? Je ne sais pas. Ou c'est juste pour faire style des chèvres, parce que c'est cool. Peut-être ça. Bon, oui, ils m'ont pas vu, c'est parfait. Je vais pouvoir explorer cette zone un peu plus tranquillement qu'auparavant. Regardez le fruit de mon XP, je suis désormais hyper fort. Bon, j'ai pas l'impression d'être beaucoup plus fort là. Je vous avoue, j'avais pas l'impression d'être hyper fort là quand j'ai mis ce petit coup de masse. Tu meurs toujours, toi, c'est parfait. On était monté là parce qu'on avait eu peur, mais on avait pas osé. Je crois qu'on peut atteindre ce chemin en passant par autre part. Hein. Il me semble, hein. Hein, on n'est jamais. Un forgeron? Un vrai forgeron, pas comme ce loser de la nouvelle Ando? Et un feu de camp? Ok, bon, on a bien fait d'aller là en tout cas. Et une porte? Ça a l'air stylé là-bas, ça a l'air de faire un petit peu peur. Oh, le teasing qu'ils nous font pour le forgeron? Oh! André! André. Well, you must be a new arrival. If you require smithing, then speak to me. T'as la même voix qu'André de Dark Souls 3. Mais comment ça se fait que. Tu es le père d'André? Tu es l'arrière-arrière-arrière-grand-père d'André de Dark Souls 3? Ah, j'ai 4 fragments de titanite, hein. Ah, et toutes les armes là ne demandent que des fragments, ça veut dire que même ça c'est une arme nulle. Au moins que toutes les armes commencent, enfin doivent d'abord être augmentées par des fragments de titanite. Enfin, j'imagine le système d'up d'armes est différent que des autres jeux. Ok, bah, je suis quand même curieux, attends, je vais apprendre une émote quand même. Hourra! Hourra André! J'avoue qu'André t'es pas mon forgeron préféré, je préfère mille fois Yugg de Elden Ring, mais André c'est vrai qu'on s'habitue à toi. Était déjà un peu plus agréable que le petit Lenny Grass ou que ce chien de Macduff là avec sa braise, sa flamme. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. Oui. But every hunk of metal has its breaking point. Non. If you notice durability running low, Non. it's time to repair. Non. You can ask a blacksmith like myself, or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you. So Oh. pay them a little respect, T'inquiète pas, eh? mon petit André. Mais tu peux pas venir au camp plutôt que de rester là, parce que j'ai la flemme de devoir faire 1000 km pour aller te voir, en fait. Tu peux pas venir au sanctuaire Les Cheveux comme dans Dark Souls 3? There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. La différence. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon On and l'a un nothing plus more. solide, oh. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. Ok. But ascension's a finer art. It
Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. Oh là là. As you've noticed, this land is flush with the mad. Ah, j'ai remarqué, j'ai croisé deux garous de malheur. Make it through the night without employing my services. D'accord, André, mais... Ronf... Ah, je peux en acheter à l'infini des pierres, stylé. À la trousse, emblème d'Artorias. Cet emblème ouvre une porte scellée par une magie ancienne dans le jardin de Noirsouche. À la tombe de Sir Artorias, le Marche-Abysse. Le Marche-Abysse. Ah non, le Marche-Abysse, oui, c'est pas le veilleur des abysses, mais c'est genre le... Ok. Face à un tel danger, cet objet peut s'avérer dangereux entre les mains d'un novice. Emblème d'Artorias, ok. Attendez, j'ai un doute en vrai. J'ai un petit doute. Artorias, ce nom me dit un truc, hein. DS1. Alors, il semblerait, quand j'écris DS1, Artoria, ça me met DLC. C'est vrai qu'il y a un DLC, j'avais oublié, avec Dark Souls 1. Ok. Donc, j'imagine... que... avec l'emblème d'Artorias, on pourra avoir accès au DLC. Après, c'est peut-être pas ça, hein, parce que ce serait assez simple, je sais pas, comme parce que Noirsouche, on peut quand même y aller assez vite. Est-ce que ce serait pas marrant de... Est-ce qu'on serait pas des petits foufous et niveau 14, on ferait pas le DLC? Je sais pas si c'est le DLC en vrai. Mais... En vrai, j'ai un petit peu peur. Non mais il n'y a pas à avoir un petit peu peur, on va pas faire ça maintenant, bref. Ah, il n'y a que ça comme arme. Ah non, épée large, épée bâtarde. Ah, l'épée bâtarde, j'aime beaucoup l'épée bâtarde. C'est un classique ça, l'épée bâtarde. C'est un classique, je dis ça en mode, c'est la meilleure arme du jeu. Mais pourquoi il y a des armes comme ça, elles font... Genre, c'est écrit moins 60 trucs, je comprends pas. Après, est-ce que je serais pas plus un joueur H? J'ai l'impression que je suis un peu plus joueur H, là, dans ce petit display. Je suis un peu plus joueur H. Attends, je vais trop parler, mon pote. Ça marche, mon pote André, attendez. Ouais, André, attendez. Donc, si je résume, à Noirsouche, on peut potentiellement avoir accès au DLC. Mais ce serait assez simple, parce que dans les autres jeux, dans Dark Souls 2, pour avoir les DLC, alors... J'ai réussi à trouver par moi-même les deux clés pour atteindre les deux premiers DLC, mais pour le troisième, j'avoue que j'ai dû faire une recherche parce que c'était pas évident. C'était pas évident du tout. Et dans Dark Souls 3, c'est assez simple, vu que tu peux littéralement aller sur ton chemin quand tu passes par le mausolée. Mais là, d'accord, il te donne un emblème et tu utilises ça et boum, t'as, j'imagine, le DLC. Mais est-ce qu'il y a vraiment un DLC avec toute une map ou c'est juste le... Je suis pas une carcasse, mon pote, attendez. Je suis quand même curieux, hein. Cet emblème ouvre une porte scellée par une magie ancienne dans le jardin de Noirsouche. La porte permet d'accéder à la tombe de Sir Artorias, le Marche-Abysse. Donc le cousin du veilleur des abysses, peut-être. Mais aucun des aventuriers qui sont mis en quête de la tombe n'en est revenu. En proie aux bandits locaux, face à de tels dangers, cet objet peut s'avérer dangereux entre les mains d'un novice, d'accord. Donc ils disent bien, n'y va pas en early game, surtout pas. Bah, c'est un peu comme, comme tous les DLC, quoi. Bref. Mais mon André, tu pouvais pas t'installer dans un endroit plus tranquille. Est-ce que c'est lui le démon taureau? Il a l'air d'avoir des cornes. Bah, c'est pas un taureau, mais... Non, mais là, je vais crever, André. Tu en as conscience? Pourquoi tu t'es mis à côté de... On y va! Ah, c'est pas un boss en plus! Ça, c'est pas un boss! J'ai vu des boss de Dark Souls 2 qui faisaient moins peur. Il est étrange, hein!
Il me stresse, il me stresse. Après, il a l'air assez simple, je pense. Alors, quelque chose me dit que j'étais pas censé aller là aussitôt. En même temps, vous voulez que j'aille où? À Noir Souche, il y a des golems, il y a des trucs qui il y a un truc dans l'eau qui crache du poison. Là, il y a un démon fer à cheval bizarre. Ça va être chaud, ça va être chaud. En plus, il... Ok, il est mort, il est mort. J'ai pas pu lui mettre un seul coup, j'ai pas pu lui mettre un seul coup. Je suis mort, je suis mort. J'arrive pas à lui mettre un coup! Mais frappe-le, bon sang! Mets-lui un coup! Ah mince, ah oui. Ça enlève pas beaucoup. Ah, je vais peut-être partir. Ah, je vais peut-être battre en retraite finalement. Ah, je vais peut-être battre en retraite. Ah, je vais peut-être battre en retraite là, c'est. Je vous jure, il y a des boss de Dark Souls 2 qui sont moins forts que ce type. Après, il y a des boss de Dark Souls 2 qui deviennent des mini-boss, donc c'est peut-être ça. Allez, on y va, hein, on va pas trop. Ah bah, c'est Noir Souche là-bas. C'est totalement Noir Souche. Oh, oh c'est trop beau. Oh, j'aime beaucoup. C'est vraiment forêt verte ici, hein. C'est pas les forêts un peu... J'allais critiquer Dark Souls 2. Non, mais c'est deux styles de forêt différentes. Voilà. Je joue 2 heures à jeu et j'ai déjà oublié le beau DS2. Bienvenue à Noir Souche. Noir Souche. Ok. Ah non, c'est peut-être là qu'on va aller au jardin... C'est quoi, toi? Oh, ça a l'air énervant comme monstre. Oh, ça a l'air énervant. Bonjour. Oh, ça a l'air agaçant comme monstre. Ah, il est tenace en plus. Donc que 100, il lui faut 2 attaques chargées, un petit coup pour le tuer. Bienvenue à Noir Souche. Ah, jardin de Noir Souche. On va carrément voir Artorias en fait. Allez, changement de plan, on va voir Artorias. Allez, j'affronte Artorias épisode 2. Épisode 11, bah contre Artorias. Il est un petit peu bête, j'ai l'impression. Il est un petit peu débile. C'est pas le couteau le plus aiguisé du couteau, hein. Et moi non plus, j'ai l'impression. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que... Ah non, mais c'est 100% le DLC, mon pote. Ah, ça fait trop... Non, j'ai pas envie d'y aller. Je vois rien du tout, hein. Je ne vois rien du tout, hein. Non ! Aïe. Oui. Aïe. Oui. Aïe. Oui. Ok. Bon. J'avais pile pas assez... Pas pile, mais ok. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a l'air assez inoffensif, mais tu te fais attaquer, tu te fais one-shot. Bah, super. Non. Non, mais... Oh, c'est énervant de pas pouvoir stepper. Je veux redevenir humain. Je veux pas redevenir humain. Je comprends rien à quoi ça sert, l'humanité, hein. Impossible d'embraser sous forme de... Ah, je suis une carcasse. Mais voilà, mais pourquoi on me dit que je suis une... Je pense... D'accord, je suis une carcasse quand même. Mais je vois... Je trouve une carcasse, c'est normal, quoi. Enfin, c'est quoi le souci d'être une carcasse? Je... Donc il me faut de l'humanité pour redevenir humain? Bah, ok, bon, bah, s'il me faut de l'humanité... Ah, j'ai 0 en humanité, je suis clairement pas un humain, là. Je suis vraiment pas un humain. Bah, attendez, on va utiliser... Je vais utiliser toute mon humanité! Toute mon humanité! Je ne suis plus une carcasse désormais. Enfin, si, j'ai toujours les yeux un petit peu noirs. Je veux redevenir humain! Oh, regardez! Ah, je ressemble à ça en humain! On est d'accord que là j'aurais dû juste utiliser une humanité. J'ai pas trop compris à quoi ça marchait, enfin à quoi ça servait. C'est moi. Tu me reconnais? Je ne suis pas une carcasse. Oh, have you seen that terribly morose lass?
the fire keeper. Bah ouais, veut même pas me parler. She's stuck keeping that bonfire lit. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. Mais elle pouvait parler dans Dark Souls 3. Her tongue out back in her village. What? So that she'd never say any god's name in vain. C'est violent. How do these martyrs keep chugging along? I'd peter out mais... in an instant. Mais pas tous comme toi, cousin de pâte, hein. Mais je peux l'aider? I'm not up for... C'est bon, toi. Il se passe quoi si je lui mets un petit coup là, juste un petit taquet? Bon, je suis redevenu humain, mais je vois pas à quoi ça sert de redevenir humain, hein, franchement. Est-ce que ça me rend plus fort? Est-ce que si j'avais été humain contre les gargouilles, le combat aurait été beaucoup plus simple? Je pense pas. Là, le problème qui se pose, c'est que je vais devoir refaire tout le chemin. Hein. C'est un petit peu énervant de pas pouvoir se téléporter. C'est quand même un petit peu frustrant, je trouve, c'est... Y a pas un meilleur chemin. Non, je crois, y a pas de meilleur chemin. Hein. En fait, faut juste pas que je retombe sur le type. Bah, de toute façon, je vais pas le recroiser, vu que quand je l'ai recroisé, je partais de la cloche. Donc là, je vais juste croiser un seul gars, je crois. Voire aucun. Bon, ok. Ah oui, il faut juste que j'aille en face, donc c'est tranquille, en fait. Il y a juste les deux petits squelettes un peu faibles qui traînent sur les côtés, mais eux... T'inquiète pas que ça va vite aller. J'ai toujours pas non plus un milliard de dégâts. Hein. Bon... Armure de soldat carcasse, oh ça peut être stylé. Ouais bah sympa le crop top, hein, sympa. À quel moment un crop top c'est plus... Oh, tu me diras c'est un crop top en métal quand même. Est-ce qu'on joue le style ou est-ce qu'on joue... On va jouer le style quand même. Non, mais on va quand même jouer le style. On va se respecter un petit peu. Ah, d'accord, parce que mettre un crop top, c'est pas se respecter. Je viens de me piéger tout seul. J'avoue, je viens de me piéger tout seul. Je viens de me piéger tout seul. Je. Voilà. Je me suis piégé tout seul. Super. Je me suis. J'essaye de trouver un moyen de m'en sortir, mais. Je peux pas. Allez, c'est pas grave. Allez, on continue. Mais non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais dans le sens où. Je trouve dans ce contexte-là, on est quand même... Enfin... On affronte quand même des gargouilles de la mort. J'avoue qu'aller en crop top, c'est pas ce qu'il y a de plus stylé, quoi. Et même, c'est un peu violent, vu que là, on peut clairement toucher au niveau du ventre. Hein. J'ai le ventre découvert. On peut me toucher, c'est pour ça. Je dis, c'est pas se respecter dans le sens où on ne se respecte pas, en fait. On ne respecte pas notre intégrité physique. C'est ce que j'entendais par là, Allez. J'espère que ça vous aura plu comme justification, parce que moi, je suis pas convaincu du tout. Bon, le problème, c'est qu'il y a Toroman, et s'il me tue, on pourra pas aller voir Artorias. C'est stylé comme nom, Artorias. Imaginez, vous avez un enfant, vous l'appelez Artorias. Ça fait un peu nom de mec violent, quand même. Ça fait un peu nom de raciste, surtout. Je pense que t'as un gosse... Je pense que t'as ton enfant, et dans sa classe, t'as un gosse qui s'appelle Artorias. Tu te dis, purée, c'est qui ce gros race, là. Vous auriez raison de vous dire ça. Donc n'appelez pas vos enfants Artorias, surtout. En aucun cas. Le problème, c'est que j'ai 4000 âmes qui sont perdues. Et qu'il y a Arbroman qui... Non, parce que là, j'ai réussi à en gérer deux. Ok. Allez, on y va, hein. J'ai pas du tout stressé. Bon, c'est cool, c'est que par run, on a à peu près 400 âmes. Donc si on meurt 10 fois, on pourra récupérer les 4000 âmes qu'on va perdre en 2 secondes. Je suis très défaitiste, hein, vous l'aurez remarqué. Bon, il est assez lent, donc j'ai juste à reculer à le frapper après. Attendez, si j'enlève le mode aim mode saver de mon PC,
Qu'est-ce que ça rend la map? Parce que moi, en fait, je vois pas les vraies couleurs. Hein. Depuis le début, je ne vois pas les vraies couleurs. Hein. Ok, en fait, ça. C'est juste que le vert est plus vert. Et si je mets mon filtre, tout est plus marronâtre. Mais ça va assez bien avec l'ambiance, donc ça ne me dérange pas de laisser des couleurs marronâtres. Voilà. Bon, là, par contre, je vois rien du tout. Enfin, si, je vois le mec en face quand même. Ah, parce que vous êtes deux? Non, parce qu'il n'y en avait qu'un tout à l'heure. Il n'y en avait qu'un seul, vous n'étiez pas deux tout à l'heure. Allez, allez, c'est bon. On va perdre toute l'humanité que j'avais engrangée depuis le début. Ils attaquent de loin! Aïe! Meurs! Meurs! Ok. Bon, je peux en gérer un, mais quand ils sont deux, c'est tout de suite la galère. Hein. Ce que je pourrais faire, c'est me mettre au niveau du feu, là où il y a André. Comme ça, quand je respawn, je repars d'ici. Sauf que si je fais ça, je vais devoir les rebattre. C'est énervant. Voilà. Les réaffronter, plutôt. Je ne vois rien du tout. C'est horrible, je ne vois rien. Bienvenue à Noire Souche. C'est ça les... Hop! J'ai marché dans une flaque d'eau, j'ai eu peur. Super. On en est là. Il n'y a personne. Hein. Est-ce que notre but, ce ne serait pas de claquer 20 000 âmes pour faire le DLC instant? Je me pense. Je... Oh! 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 Regardez. Regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est la porte! Non mais ça peut pas être le DLC, ça veut dire ils auraient mis... Ah non! Il y a une zone là, ok. Là, c'est si vous voulez continuer le jeu. Donc là, c'est le passage des gros losers. C'est ceux qui ont peur. C'est ceux qui ne veulent pas affronter l'adversité. Là, c'est le passage des battants. C'est ceux qui n'ont pas peur. Sauf que j'ai pas acheté le mécanisme d'Artorias, donc je peux pas y aller. Donc je suis obligé de passer par le chemin des losers, ceux qui ont peur d'affronter l'adversité. Vraiment un côté petite Deep Wood. Non, mais il n'y a pas un boss déjà ici, non! Non, il n'y a pas un boss! Ok, bon. Bon, comme je vais sans doute mourir, on va battre en retraite, allumer, enfin, activer le checkpoint au-dessus d'André, comme ça on repartira de pas trop loin. Parce que de toute façon, c'est prévu qu'on meure, je pense. Mais est-ce que c'est vraiment là la suite? Alors, ce qui est fou, c'est qu'on aurait pu totalement aller par là et ne pas voir les gargouilles. Hein. On aurait pu passer par là, on aurait zappé les gargouilles. Donc j'aurais peut-être claqué mes 20 000 âmes dans l'emblème d'Artorias. Tellement de choses qui auraient pu se passer, c'est ça qui est fou. On trouve un peu ce côté quand même qu'il y avait déjà dans Dark Souls 2 où t'avais la possibilité d'aller un peu où tu voulais. Enfin, où tu voulais. Donc t'étais moins limité, quoi. Donc il y a un moment tu disais, bon bah je veux pas affronter ce boss, allez, je vais en affronter un autre. Et c'était sympa, je trouve. On a un petit peu perdu ça par la suite, mais c'était cool. Enfin, on a totalement perdu ça avec Bloodborne. Enfin, pas tant que ça, Bloodborne, vu qu'il y a pas mal de zones que tu peux faire en parallèle, mais pas trop, mais c'est déjà un peu plus linéaire. C'est surtout avec Dark Souls 3 qu'on a perdu ça. Hein. Bassin de Noire Souche, ok. C'est pas du tout. On est d'accord, c'est pas du tout là où je voulais aller. Hein. C'est pas du tout là. Je. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je voulais juste trouver le feu de camp, moi. Bon, ok. Oh! Un truc qui fait de la lumière qu'on peut. Attendez. Ok. Il a disparu, super, j'adore le jeu. C'est comment là? Non, 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 non,
on est en train de descendre super lent là. C'est bizarre votre zone. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, une armure de cuir. Oh, des flèches. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on va se battre contre le boss final du jeu, c'est ça? Ça que vous êtes en train de dire? Ah, oh, les dégâts de chute. J'ai relancé le Denring, bah pas plus tard qu'hier. Et c'est vrai que ne pas avoir de dégâts de chute, enfin du moins à... Faut vraiment une grosse distance pour en avoir. Est-ce qu'on est d'accord que c'est les golems? Ok, donc là on vient littéralement de là où on était dans l'épisode 3. Oh purée. Ah mais moi j'avais pas... Oh, purée. Pourquoi il y a un kraken? Pourquoi il y a un kraken devant? Non mais... Bon, la manette qui ne veut plus bouger. Ah c'est bon. Mais on est d'accord, c'est pas un... Ça. Ok. D'accord. Bah... Non mais j'ai plus envie de jouer. J'ai plus envie de jouer, c'est ça le souci. Est-ce que j'ai envie d'affronter ça? Non, réponse, j'ai pas envie. Par contre, c'est super ouvert, c'est vraiment un open world. C'est complètement un open world là. J'ai jamais vu un monde aussi ouvert. Hein. Je suis passé par là. Attendez. Oui, c'est littéralement par là que je suis venu. Et c'est là que j'ai fait, oh regardez, c'est les golems de glace. Et après, ils nous ont fracassé. Non, vu qu'on est tombé d'au-dessus, du dessus. On n'est jamais pas... Mais où je vais là? Où je vais? Mais dites-moi. Mais elle est trop grande cette zone. Oh non, pas toi, mais... Mais déjà, chevalier noir, mais je suis trop loin dans le jeu. Mais il court super vite. Ok. J'ai signé mon arrêt de mort. En plus, je crois qu'il court plus vite que moi. J'ai signé mon arrêt de mort. C'est terminé, hein. Le let's play s'arrête dès à présent. En plus, il commence déjà à m'attaquer alors qu'il est censé être... Attendez, il est plus là. Non, mais... Regardez comment il m'a gros. C'est de la folie. Ah, c'est bon, il est reparti. Je sais même pas où il repart. Non, mais... Comment on fait pour survivre? On peut pas survivre. C'est terminé, là. Ah, si, on peut remonter, là. On va retourner en arrière. Vraiment retourner en arrière. On va retourner au feu de camp d'André. Parce que c'est sûr on va mourir d'ici là. C'est sûr à 1000%. Et on viendra plus fort. Et on viendra plus fort. Est-ce que exploration, le jeu... Niveau exploration, le jeu n'est pas déjà supérieur à Dark Souls 3? Oui, je le dis. À Dark Souls 2 aussi? Non, pas forcément à Dark Souls 2. Pas forcément Dark Souls 2. Parce que là, je suis... Enfin... Non. Enfin, quand je parle d'exploration, c'est la... En fait, c'est le fait que le jeu te laisse quand même... Te laisse plusieurs chemins empruntés, quoi. C'est pas juste, bon, tu es obligé d'aller là, puis d'aller là, puis d'aller là. Non, c'est, tiens, joueur, on te laisse. Soit tu peux passer par-ci, soit tu peux passer par-là. Et c'est cool. Et Dark Souls 3 t'oblige à faire mur de l'Autrique. Les morts vivants land là. Enfin, la route du sacrifice. Non, je sais plus. Camp des morts vivants. Route du sacrifice. Machin de pharaon. Là, bref, tu fais tout dans le même ordre. C'est pas amusant. Alors que là, t'as la liberté. Tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Enfin, pas de faire ce que tu veux, mais ok, j'ai retrouvé le chemin. Ok, parce que j'étais passé par là, mais il y avait aussi un chemin ici, qui était un petit peu caché. Ou alors j'étais déjà passé... Non, j'étais déjà passé par là. J'étais fou déjà passé par là. Ok, oui, c'est totalement par là que je viens, bref. Voilà. Donc Dark Souls 2, même si les zones sont plus segmentées, tu peux pas faire des big allers-retours à pied, ce qui est pas toujours amusant. Là, j'aurais bien aimé me téléporter. Enfin, je peux me téléporter en prenant un os de retour. Ce que je veux dire, c'est que Dark Souls 2 te laisse aussi le choix d'aller un peu où tu veux. T'as pas qu'un ordre. Et ça, c'est bien. Par exemple, moi, j'avais fait quoi? Bah, le géant, le dernier géant, un peu comme tout le monde, je pense. Ensuite, j'avais affronté... Ensuite, j'ai rencontré la charogne. Mais j'ai pas fait tout de suite la charogne parce que c'était trop dur. Je suis allé faire la pécheresse. Et ensuite, je suis allé faire... Ah, attendez, non. Non, 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 c'est pas dans cet ordre-là. J'ai fait le dernier géant. Ensuite, j'ai rencontré Freja, la protégée du duc, la grande araignée. Puis, je l'ai pas faite tout de suite. J'ai rencontré la charogne, que j'ai pas faite directement. Ou j'ai rencontré la charogne avant Freja. Bref, j'ai pas fait ces deux boss directs. Puis, j'ai rencontré la pécheresse. J'ai fait directement la pécheresse.
Ensuite j'ai fait Fréja, ensuite j'ai fait la charogne. Non, ensuite j'ai fait Fréja, ensuite j'ai fait le vieux démon roi de fer, l'espèce de Balrog, et ensuite j'ai fait la charogne en dernier. Voilà, donc t'avais quand même le choix de faire l'équivalent des seigneurs des cendres, enfin des âmes anciennes dans l'ordre que tu voulais. Alors que dans Dark Souls 3, Veilleur des Abysses, Veilleur des Abysses, Yorm, Aldrich, non tu peux faire Aldrich et Yorm, allez tu as le choix entre ces deux boss. Aldrich, Yorm ou Yorm, Aldrich et Lothric à la fin. Quoique, est-ce que si tu bats la danseuse boréale, tu peux directement aller faire Lothric? Non, je suis peut-être mauvaise langue. Oui, mais ça, enfin, je veux dire, le fait de choisir dès le début d'aller tuer la vieille pour débloquer le combat contre la danseuse de la danseuse de la vallée boréale pour ensuite aller faire le château de l'Autriche, c'est pas un ordre, c'est pas naturel. Enfin, c'est tu fais la première zone du jeu niveau 1, là tu t'attaques à une zone où tu dois être niveau 90. C'est pas, enfin, personne va se dire naturellement, tiens, je vais faire ce passage du jeu. Et si vous avez pas joué à Dark Souls 3, Dark Souls 3, vous voyez absolument pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Bref, j'ai activé le feu, je crois. Là, je tourne en rond. C'est le problème. Quand je pars, je suis incapable de d'avancer en même temps. Je suis obligé de tourner en rond. Bref. On est à combien de temps de record là? Je regarde un petit peu. 36 minutes, c'est tout? Est-ce qu'on farmerait pas 20 000 pour acheter l'emblème d'Artorias comme ça, même si j'y vais pas direct, au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Je pense qu'on peut faire ça. Est-ce qu'on claque toutes nos âmes? Peut-être pas tout claquer, mais déjà voir ce que ça donne par exemple. Rappel, il nous faut 20 000. Hein. Ok, on est un petit peu loin des 20 000. Et on est un petit peu loin des 20 000. On n'est pas totalement. C'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Ah non, c'est pas. Je suis tenté de me battre contre lui. Hein. Je suis sur lui, il donne v'là les âmes. Allez, c'est bon. J'ai fait mon choix, on va se battre contre ce mec. Qui a l'air beaucoup trop chaud. Mais qui est simple à esquiver, je pense. Ah non, mais c'est ridicule là ce qui se passe. Pourquoi j'ai plus que 5? Pourquoi j'ai plus que 5 fioles d'Estus? Alors j'en avais 10 avant. André, explique-moi. Explique-moi pourquoi j'ai plus 10 fioles d'Estus et j'en ai plus que 5. J'ai même pas remarqué. Non, 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 parce qu'on est d'accord, si j'avais fait le combat contre les gargouilles à 5 fioles d'Estus, je l'aurais jamais réussi, hein. Est-ce que c'est mes 5 points d'humanité qui m'empêchent? Ah, il y avait chemin aussi. Bon, on va y aller. Ça fait peur. Direct une grosse forteresse, mais normalement on fait les choses dans l'ordre. Sigvard! Allez, on va par là. Sigvard, mon roi. Est-ce que c'est bien toi, Sigvard, ou... Ah, t'as... Sigvard, ouais. Sigvard, mon pote? Ouais. Ça, mon gars? Sigvard. Oh, Ah. forgive me, I was absorbed Il a la voix de Sig. I am Siegmeyer of Katarina, Siegmeyer. quite honestly. Siegmeyer, I'm oh. flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So, here I On est sit, vraiment my super proche, mon pistol, pote. weighing my options, so to speak. D'accord, donc il est débile comme le Sigvard de Dark Souls 3, il n'arrive pas à ouvrir une porte. Parce que là, ça a l'air vraiment bloqué. Par contre, Siegmeyer, ça fait un petit peu meilleur Habib. Ça fait. Alors, est-ce que j'annule cette phrase aussi? Allez, j'annule aussi cette phrase, j'annule également cette phrase. Je vais t'appeler Sigvard, je vais t'appeler le cousin de Sigvard. On a le cousin de Pat, le cousin de Sigvard. Ou Sig. Je vais juste appeler Sig. Après Sigmé. Ah purée. Ah faut que j'arrête. Non mais c'est le problème. Je pourrais pas devenir connu. Je pourrais pas devenir connu comme youtubeur parce qu'on sortira tous ces petits moments où voilà. En soi, j'ai pas eu de propos. Enfin, mais voilà. On se comprend effectivement. Still closed. Après, je peux couper ça au montage. Hein. Je peux couper au montage. Mais ce sera drôle de le laisser. Still closed. Still closed. Sig, mon petit Sigou.
On fait quoi? En fait, j'ai même pas écouté le problème. J'ai même pas. Ici, il y a une énorme gate, on peut pas l'ouvrir. Faut sûrement passer par l'autre côté de je sais pas d'où. C'est plus simple dans Dark Souls 3. Hein. Bon, bref, Sig. Bon, c'est pas Sigvard, mais c'est son cousin, quoi. Bon. Mais c'est quand même le sang, quoi. Il va peut-être nous aider, lui aussi. Est-ce que dans le jeu aussi, c'est le cousin d'un des seigneurs des cendres? On va pas réussir à faire sa quête, donc on n'aura pas la cinématique stylée. Voilà, le témoignage de quelqu'un qui est deg de pas réussir à avoir terminé la quête. Enfin, de l'avoir terminée, mais pas dans le bon sens, donc j'ai pas eu la cinématique stylée. Je suis déçu. Bon, on voulait quand même tuer ce mec, mais c'est impossible. Le problème, c'est qu'on. Bizarrement, je sens qu'on est obligé de finir à Noir Souche. On est obligé de finir à Noir Souche, ça pue Noir Souche. Mais ce qu'on peut faire, à la place d'aller à Noir Souche, c'est d'aller au village des morts-vivants, de m'occuper de ces histoires de clés. Comme au village des noirs. Des. Au village des morts-vivants. On peut atteindre Noir Souche, on en profitera ensuite pour faire un petit détour là-bas. Par contre, André, pourquoi tu peux pas venir, quoi? Pourquoi tu peux pas venir? Ça aussi, c'est un bon ajout de Dark Souls 2, le fait que le forgeron soit directement dans le hub. Voilà. Fragment de titanite. Après, je viens de penser, si on n'arrive même pas à tuer ce mec en pierre, on pourra jamais faire le DLC d'Artorias là. C'est fini. Parce que déjà, le boss, ce sera impossible. Et en plus, parce qu'ils ont parlé de bandits, ils ont dit, attention, il y a des bandits qui veulent piller la tombe du marche-abysse. Le veilleur des abysses, le marcheur des abysses. Stylé ou pas? Moi, je trouve ça un peu stylé, je trouve ça un peu cool. Là, je suis perdu. Comment on fait pour aller rapidement au village des morts-vivants sans passer par les squelettes? Je crois que c'est impossible, hein. C'est quand même galère, hein, parce que ça veut dire que pour aller jusqu'à Noir Souche, on va devoir emprunter. Enfin, on va devoir à chaque fois faire ce chemin hyper long. À moins qu'une fois à Noir Souche, oui, à Noir Souche, on arrive à débloquer un raccourci qui nous amène directement là. Mais je vois pas trop quoi. Toujours un truc écrit au sol, je pense que je l'ai déjà lu. Hein. Émote. Non. Attendez. Quoi? Ça veut pas du tout dire quoi. Et stylé les émotes quand même. Bon, j'ai toujours mon humanité, je suis un humain. À quoi ça sert d'être un humain? Je ne sais pas. Ce système est mieux fait dans Dark Souls 2. Enfin, on comprend un peu mieux. Encore quelque chose que Dark Souls 2 faisait mieux que ce jeu, que ce pitoyable, pitoyable, pitoyable jeu. Épée courte. Il a fait son meilleur saut, lui, mais je. On ne croit pas mes yeux, il a fait son meilleur saut quand même. Hein. C'est une folie, hein. Aïe, aïe, aïe. On sent que je suis un petit peu plus fort, regardez. J'ai que 5 fioles, on le rappelle, hein. Parce qu'avant j'en avais 10, mais ils sont dit non, 5 c'est mieux en fait finalement. Bon, hop. Salut. Au revoir. Quoi? T'es pas tombé? Ok. S'il te plaît. Elle dégage, hors de ma vue. Il y a un rat ici, il y a Ratus là. Dégage. Crève, merci. Non, j'ai toujours pas la clé. Ça voudrait dire qu'il y a un autre passage secret qui m'emmène là, mais qu'on n'a toujours pas trouvé. Intéressant. Faut pas qu'on oublie à chaque fois qu'on trouve des petits passages limites. Bah, je devrais, ouais, comme j'ai dit, noter vraiment.
tout ce qu'on voit, tous les ponts en suspens. Ah, le village des morts vivants. Ça faisait longtemps quand même. Bon, toi tu... S'il te plaît mon pote, tu dégages. Oh là là. C'est notre chez nous, village des morts vivants. Bon, c'est tellement notre chez nous qu'on... Le chez nous en question. Merci. Ok. Ok la manette, s'il te plaît, si ça, ça arrive pendant un combat de boss. Je vous raconte pas ce que je fais. Ouais, mais... Comment on active la porte secrète? La porte Giga Secret. Ouais, failli mourir là encore. Oh, j'ai la flemme d'aller là. J'aime pas. Allez, c'est bon. Oh là là, le fait qu'on va dépenser 20 000 âmes dans un item qui va nous servir à rien dans un premier temps parce qu'on n'aura pas de level. Ça, c'est pas du gâchis. Non, c'est pas par là. Ok, relatim. Purée, je venais de faire une pause, je vais juste aller aux toilettes. Ça dure un petit peu plus longtemps que prévu. C'était plus long, quoi. Pardon. Pardon, vraiment pardon pour... je voulais... C'était pas... Non, je suis désolé, je suis désolé. Je ne recommencerai plus. Bref, je sais plus ce que je faisais. Si, la clé, village des morts vivants, bref, passage souterrain, demeure, truc. Beaucoup de choses à faire. Hop là. C'est un petit escarmouche là que vous me tendez? Pas mal. Si je pouvais leur tirer dessus. Après je peux changer d'armure, hein, c'est vrai ça. Yes, j'ai la clé! J'ai pas la clé, j'ai pas la clé. Est-ce que le record a repris? Il a repris. Aïe! Je sais pas vraiment si le record a repris. Il a repris. Ok. Non! La manette qui arrête de bouger, la manette qui arrête de vivre. S'il te plaît, la manette. Heureusement que je suis pas en train de battre un boss, là. Carrément, je débranche, je rebranche. Oh, la manette! Oh, la manette! La manette, elle veut plus! Ok. Allez, on joue à Dark Souls au clavier. Non, mais c'est mort, je joue pas Dark Souls au clavier, hein. C'est mort. Hein. Tu crois quoi? Ok. On a un petit souci, on a un petit souci de manette là. On a un souci de manette. Ok. Bah la manette veut plus marcher. Mince, je crois que le truc c'est crash, non? Open? Attendez. Stop. Start. C'est bon. Je peux plus. La manette marche plus, la manette marche plus. Je peux plus jouer. On va devoir jouer à Dark Souls au clavier, hein. Ok. Dark Souls au clavier, c'est maintenant. Ok, c'est rond pour rouler. Oh, purée. Ah. Oh, purée, c'est... Oh, c'est quoi ce jeu? Oh, j'ai envie de mourir. Dark Souls au clavier, c'est... Non, je peux pas jouer à Dark Souls au clavier. Attendez, mais j'ai un problème de... Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre.
Pas de raison que ça marche pas. Attendez. Input slot, non? Ouais. Mon pote, ça marche pas? Attendez. Je débranche la manette. Je rebranche la manette. Je mets start. La manette ne veut pas marcher. Ah si, elle marche, mais il n'y a qu'un bouton qui marche. Ok. Je peux bouger la caméra. Je peux donner un coup avec le pad. Non ! Purée, c'est Dark Souls au clavier ! Ok, c'est Dark Souls au clavier, j'ai pas peur. Je sais pas comment on fait pour courir. Ah, c'est là. Oh, purée. Dark Souls au clavier, c'est maintenant. Je peux déjà vous dire que c'est horrible. Oh, c'est pas du tout maniable, c'est pas du tout maniable. Dark Souls au clavier, c'est pas maniable. Mais qui joue à ces jeux au clavier ? Je sais même pas comment on fait pour Locke. Bah, l'épisode va s'achever sur ma mort, là, à ce moment-là, je crois. Parce que Dark Souls au clavier, c'est pas possible. Je ne peux pas, juste. Je ne peux pas, c'est pas faisable. C'est pas souhaitable, Dark Souls au clavier. C'est horrible. Oh, c'est horrible. En plus, on a beaucoup des types. Je sais comment lock un ennemi, mais pour le délock... Ah, je dois bouger la souris pour... Oh, mais c'est horrible! Dark Souls au clavier, la pire invention. Hein. À moins que vous ayez une souris avec plein de petites touches, là. Et que vous utilisez des macros, peut-être. Non, c'est pas des macros non plus, mais... Ok, ok. Dark Souls au clavier, c'est maintenant. Hop! Fuis! Je sais pas comment on utilise une potion. E, R. Ok, c'est R. Ok, c'est R, c'est R, c'est R. Oh, Dark Souls au clavier, la pire invention. La pire invention. Pire invention de l'univers, Dark Souls au clavier. S'il vous plaît, il n'y a pas une porte que je peux activer pour... Je trouvais des clés, elles me servent à rien. Pourquoi la manette ne marche plus? Oh, purée. Attendez. Hop! R. Je sais même pas comment on tient une arme à deux mains. C'est pas grave. Le problème, c'est que je sais pas non plus comment on utilise les petits sorts à côté, là. Ça fait que je vais pas pouvoir utiliser mon soin de clair. Bon, en bas, on sait qu'il y a notre pire ennemi, là. N'y en aura-t-il pas un petit passage pour... Non, je crois derrière c'était bloqué, hein, c'est ça? Ça c'était... Oui, oui, ça, il y avait le vide, il me semble. Je crois qu'il m'a vu, hein. Non, il m'a pas vu. Ok, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, il y a que lui, ça va. Bon, lui, par contre, au clavier souris, je vais pas pouvoir le fuir, hein, donc faut vraiment que je m'en sorte. Je sais même pas où je vais, là. Je me suis mis dans... Je suis mis dans de beaux draps, vraiment. On est d'accord que... Ah oui, là, c'était la fameuse tour. Ok. C'est par ici qu'on doit aller pour aller à Noirsouche. Sauf qu'on a dit qu'on voulait pas aller à Noirsouche, nous. Noirsouche, il faut descendre. Il n'y a pas un moment une porte. Si, je crois qu'il y a une porte, mais... Je viens de me rendre compte, mais j'ai le casque d'Astérix. Ok. On retourne juste là, hein, en fait. Ah, et là, c'est le rempart avec notre fameux pote le démon.
Ah, mais là, si on va là, on fait juste le même chemin. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Problème, c'est que là, si je fais ça, je vais à Noir Souche. Je suis bloqué, hein. Est-ce que la manette est à nouveau. Non, la manette est toujours décédée, hein. La manette veut toujours plus pas vivre. C'est assez triste, je trouve. Mais bon, on va devoir faire sans. Ouais, mais. Attendez, j'ai quand même envie de retenter par là. Hein. Excusez-moi, hein. Je prends énormément de risques. Hein. Sans doute que je vais mourir. C'est possible. Mais je préfère revenir là que revenir à Noir Souche, si vous voulez. Ouais, il y a un type là-haut, là. Mince. Il n'y a personne en bas qui m'attend. Non. Il y a un truc violet, mais ça doit être. Non, oui, c'est juste les flaques qui se réfléchissent. Peut-être pas. Ah oui, d'accord. Je te fais une attaque, t'es même pas. T'es même pas bougé d'un iota. Bon. J'aimerais éviter de mourir là parce que cet endroit il est pas non plus super. Alors on peut aller là, c'est vrai, regardez. Hop, petit passage que vous ne connaissiez pas. Moi je vous l'apprends, ce passage je vous l'apprends. Comme vous pouvez voir, on peut rien faire une fois arrivé là. Belle arnaque, je pense. Non, c'est pour aller ici, regardez. Hop, je perds pas de vie du tout. On est totalement déjà passé par là. Hein. Que décidément tout ce qu'on fait ça ne sert à rien. Bon, est-ce que je fais tout respawn? Parce qu'en vrai là. Ah! Ouais, il y avait ces deux types là. Est-ce que c'est par là que je vais retrouver mon chemin? Encore faut-il que je les tue. Ah, c'est pas pratique pour changer le lock, hein, c'est. Oh, ça c'est parfait ça. Ok, c'est pas grave. Normalement, on peut le gérer. On fait moins de dégâts, hein. Et d'accord, je fais moins de dégâts, hein. Je pouvais en faire 13. Et là, j'en fais plus que 9. Merci. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis là. Ça, je suis mort. Bon, là, il y a notre pote. Oh, they're still keeping your marbles on. Then go ahead. That never hurts to speak. Oula. J'arrive pas à me diriger dans les menus en clavier, donc je vais rien faire parce que j'ai. Ok. Prends pour qui? On a presque 10 000 âmes, la moitié pour aller voir Artorias. Mon poteau Artorias et mon ami Artorias, j'adore Artorias. Ah, je suis mort. Yes. Yes, 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 je suis mort. Yes, 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 la team, je suis mort. Yes, la team, je suis mort. Yes, yes, trop bien, je suis mort. Yes, yes, la team, je suis mort. Bon, on va s'arrêter là, hein. Bon, c'est pas mal tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah, ah bah, j'ai perdu toute mon humanité. J'ai plus. Ok, d'accord. Donc, j'avais 5 humanités, j'ai tout claqué. Donc, en fait, faut juste utiliser une humanité à la fois, quoi. Mais je sais toujours pas c'est quoi le boost que ça nous apporte, quoi. Bref. Très étrange. Bon, plein de choses à faire pour la suite. Noir Souche, trouver la clé. Statue Man qui balance de la magie. Beaucoup de choses. Bref, si vous avez cette vidéo, big like, big abonnement, big subscription comme disait Maroc, et au revoir.